Bonjour à tous, Old School Game Universe.blogspot.fr vous présente la première vidéo des derniers achats du premier trimestre 2017. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai pu récupérer une PS4 après avoir fait un peu de vide dans les placards. J'ai une PS4 Pro. Avec Mafia 3 que j'ai commencé, il y avait d'ailleurs, je l'ai eu en promo, il y avait une très belle baisse de prix, je l'ai trouvé moins cher en magasin que sur Amazon, vu que j'achète en temps normal sur Amazon. Si je retrouve le prix, je vous le dirai, ça doit être dans les 30 euros quoi, guère plus, je crois pas, non, 30 euros ouais. Pour ce qui est de la PS4, je vais pas la présenter, ou en tout cas brièvement, quoi, parce que de toute façon ça a déjà été fait, il y a déjà eu des unboxings, des présentations sur internet, et je voyais pas pour cette machine, surtout que c'était pas une collector, je voyais pas l'intérêt de faire un unboxing pour cette machine là. Voilà, donc en plus on voit bien. On voit bien que si on compare à côté de la Xbox One S, la PS4 Pro est quand même beaucoup plus masse, hein. Elle tient quand même beaucoup plus de place. Donc voilà. Donc la console est assez mate et le logo lui par contre PS est laqué. Voilà. Il est laqué aussi en dessous de la console, mais couleur noire. Donc après, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. On a les branchements classique derrière, entre l'alimentation, le câble internet, si on veut le brancher par câble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le câble HDMI, le branchement optique, je crois. Je vais pas m'amuser à faire le tour de la console. Comme vous le savez, bon, en dessous de la machine, hein, de toute façon, c'est pour faire... Comment je peux dire, c'est les logos des touches de la manette qui sont en dessous, en relief, en dessous de la console pour faire office de pied et de pattes. Voilà. Donc ça c'est pas. C'est original, mais c'est pas. Enfin. Je veux dire, voilà. C'est pas non plus. Je la trouve très, mine de rien, très. Je sais pas. Je trouve que c'est une belle machine, mais elle me plaît pas tant que ça non plus, quoi. Je veux dire, si j'ai acheté la machine, c'est pas pour son esthétique, évidemment, hein. C'est pour les jeux, ça c'est sûr. Donc après, l'esthétique, moi je m'en fous un peu, mais je sais pas, ce côté comme ça, là, plusieurs étages, machin, enfin je sais pas, je la trouve pas spécialement belle, quoi. C'est pas non plus, voilà, quoi. Je sais pas. C'est... Ouais, voilà. Autant, après vous allez me dire, c'est normal, t'as une collector. Mais la Xbox est quand même beaucoup plus belle. Même quand je regarde les Xbox de base qui sont noires ou blanches, qui sont pas du tout des collectors. Enfin, je veux dire, je trouve que la One S de base, elle est plus... je la trouve presque plus belle, quoi. Elle garde un côté classique que j'apprécie. Ils ont à la fois affiné son esthétique et ils ont pas. Et de l'autre côté, ils ont pas pris trop de risques. Tandis que là, bon, je trouve justement qu'ils ont pris trop de risques. Et à faire comme ça, ce design de partie comme ça, comme s'il y avait plusieurs étages, j'aime pas trop, quoi. J'aime pas trop. Il y a déjà ça sur la PS4 standard, mais il y en a un en moins. Donc là, alors que sur la PS4 standard, ils ont bien espacé, je crois, un de chaque côté, il me semble, les prises USB. Là, ils sont rapprochés, je trouve que c'est un peu abusé, quoi. Bon, quand c'est des câbles de cette taille-là, ça va. Mais si jamais il y avait des branchements un peu plus larges, là, on serait un peu embêté. Donc on a le bouton Eject, le bouton Power, voilà. Le manche disque, enfin le lecteur Blu-ray, il est là, hein. Il faut quand même le savoir, hein, quand même. Hein.
Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, il n'y a pas grand-chose de plus hein, au niveau présentation de la console. C'est pas. Ce que je conseille aussi, ça peut paraître bête, mais moi, le câble HDMI d'origine de la PS4, du coup, je m'en sers pas parce que j'en ai déjà plein de branchés sur la télé. Donc, du coup, je m'en sers pas. Ça revient au même, on s'en fout en fait. Pour ce qui est de la boîte, bah, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Je veux dire, voilà. Là, je vais vous montrer rapidement comme ça. Là. Puis j'aime pas trop la boîte en plus. donc là, il faisait la pub du dernier Call of Infinite Warfare avec aussi The Last Guardian et Horizon. Hein? Horizon Zero Dawn. Voilà. Donc après, c'est le truc classique, j'ai envie de dire. La boîte classique de la PS4, elle n'a rien d'extraordinaire. Il y a du bleu dessus, comme on trouvait déjà sur les boîtes PS2 et PS3. Enfin voilà, c'est pas non plus. Voilà, la boîte, elle n'a rien d'extraordinaire, quoi. J'aime pas trop d'ailleurs cette. Là, en fait, c'est qu'un extérieur, quoi. Si on veut, on peut enlever la partie intérieure. En fait, une partie comme ça. On a une autre partie à l'intérieur avec des cales en carton pour ranger les affaires. Mais je sais pas, j'aime pas trop, c'est trop, je sais pas, c'est trop classique. Bon, après tout, on s'en fout, c'est qu'une boîte, c'est qu'un emballage carton. Bon, après, c'est pas le principal. Le principal de base, c'est qu'elle soit quand même tout de même emballée, quoi. Non, puis sinon, je trouve que le carton est peut-être aussi un peu plus, un peu plus fragile. Que le carton il est un petit peu plus fragile, voilà, par rapport à la, je sais pas, par rapport à la One S, même de base hein, pas collector mais de base hein, je trouve que le carton d'origine est quand même plus résistant à manipuler, ouvrir, fermer, etc. Enfin bon, après c'est pas, encore une fois, c'est pas le plus important, quoi. Alors ensuite Mafia 3, donc Mafia 3, donc pour les fans de Mafia, donc les fans de Mafia, pas la Mafia en général forcément, mais de la licence Mafia. Voilà, moi j'ai adoré le premier sur PC, je me le suis racheté d'ailleurs il y a peut-être un an ou deux sur PS2 pour l'avoir comme ça en version boîte. Et donc le 2, je l'ai fait sur Xbox 360, il était aussi sorti d'ailleurs sur PS3 et sur PC. Mafia 3, Mafia 3, je pourrais en parler vite fait, je trouve qu'il est déjà, je trouve qu'il est truffé de bugs. Donc je trouve que pour un jeu qui est sorti quand même il y a quelques mois, je trouve que c'est un peu abusé. Alors il y a des mises à jour, il y a des patchs, mais franchement. Et je trouve à la fois joli, même très joli, mais je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux, franchement. Et l'IA, les PNJ dans le jeu, ben ils sont un peu, ils sont quand même un peu concons, quoi. Ils sont même plus que concons, d'ailleurs. C'est affligeant, quoi. Mais bon, là, pour l'instant, l'ambiance est assez bonne. L'ambiance est assez bonne. J'ai pas encore. Voilà, j'ai fait quelques missions de l'histoire principale. Bon, bah ben, ça va, ça. Après, voilà, faut voir maintenant ce que le jeu peut apporter encore à côté, quoi. C'est, faut voir comment se déroule l'histoire, etc. Les missions, bon, pour l'instant, je trouve pas mal. Je trouve plutôt sympa, mais pas extraordinaire non plus, quoi. C'est, disons que c'est un bon jeu, c'est un bon jeu. Mais voilà, après, peut-être que là, pour l'instant, pour ce que j'en ai fait, je préfère le 2. Je préfère le 2. Et pourtant, c'est Lincoln Clay, c'est un très bon personnage. Hein. Il est quand même, il a un certain charisme, il est vraiment intéressant. Il a fait partie des forces spéciales, je crois. Il est, non, c'est un bon personnage, il n'y a pas à dire. Puis il est très masse en plus, il a une bonne carrure. Ouais, non, un personnage qui a du charisme. Donc c'est intéressant, c'est un personnage intéressant à jouer. Intéressant à jouer. Maintenant, après, faut voir. Faut voir. On a croisé, bien sûr, je vais pas spoiler, mais on a croisé déjà là, un personnage qu'on trouve dans le 2. Voilà, je ne dirai pas qui. Bon, voilà, c'est un bon petit jeu. Alors, sinon, ce que j'ai oublié de vous montrer, que j'ai eu. Alors,
Non, déjà ça, que j'ai eu il n'y a pas longtemps, d'occasion pour une bouchée de pain, donc Two World, hein, un RPG, voilà, un action RPG, voilà, donc sorti, qui à la base, les Two World sont assez réputés sur PC, quoi, donc ils ont fait aussi un portage sur 360. Alors je sais pas si c'est un portage de la version PC ou si c'est tout simplement. Une version comme ça, autre pour la 3.6. Je connais pas beaucoup la licence, donc je saurais dire. Mais bon, en tout cas, le scénario, il a l'air plutôt intéressant. L'intrigue a l'air intéressante et tout. Maintenant, j'y ai pas joué, je sais pas. Alors, j'ai vu des vidéos, ça a bien vieilli. Et puis, voilà, ça a l'air d'être un peu lourd au niveau mécanique de jeu. Donc, je vais voir. On verra. On verra. On verra ce que ça va donner. Donc, Two World qui est déjà sorti quand même il y a déjà plusieurs années. Hein. Enfin bon, voilà. Ce que j'ai oublié de vous montrer l'an dernier, c'est-à-dire en décembre 2016, ESO, donc The Elder Scrolls Online, donc la version Gold Edition pour avoir justement toutes les extensions du jeu. Donc, bien qu'il soit online, on peut y jouer en solo sans aucun problème. Sans aucun problème. Il y a même d'ailleurs, je vais comparer à Final Fantasy Realm, enfin bon, Final Fantasy XIV Online, quoi. Ah, désolé, je ne sais plus le nom précisément. Qu'est-ce que je voulais dire? Qui d'ailleurs, le Final Fantasy Online, qui est un très très bon jeu d'ailleurs, je connais quelqu'un qui joue et il est vraiment, il paraît qu'il est vraiment prenant, il est très très bon. Le problème que moi je dirais finalement, après certains problèmes techniques que j'ai eu, parce que j'arrivais pas à installer le Final Fantasy, mais bon, en dehors de ça, rien ne m'empêcherait d'y jouer sur PS3 ou PS4. Mais finalement, là, moi, ce qui me rebute un peu, ce que j'ai appris après, c'est que finalement, il y a un abonnement tous les mois de, je sais plus combien. Normalement, je me trompe pas, il y a un abonnement tous les mois. Alors que Elder Scrolls Online on propose un abonnement supplémentaire si on le souhaite, hein, pour augmenter peut-être, je dis bien peut-être, hein, parce que je ne connais pas précisément, peut-être augmenter peut-être plus facilement son XP, etc., avoir peut-être plus d'argent, je sais pas. Mais voilà, Elder Scrolls Online propose un abonnement qui n'est pas obligatoire, qui n'altère pas du tout. Qui n'altère pas du tout la qualité du jeu, etc., qui ne nous empêche pas de le finir non plus, etc., etc. C'est un jeu quand même gratuit à la base, et finalement qu'il le reste, quoi. Voilà, il propose un abonnement en plus, mais voilà, c'est. Moi je le vois plus comme un bonus qu'autre chose. Voilà. Alors, certains vont peut-être trouver que c'est vachement bien, voilà. Moi j'ai pas pris l'abonnement, et puis ça. Non, le jeu il est quand même il est abordable gratuitement déjà de base, il est complet totalement de base, il y a voilà. Je pense que l'abonnement permet surtout de débloquer des choses beaucoup plus rapidement, je pense. Voilà. Donc voilà, c'est un très bon jeu avec les extensions qui s'appellent. Je sais qu'on a l'extension impériale, l'extension. C'est pas écrit dedans? Imperial City, Orsinium, Thieves Guild et Dark Brotherhood. Voilà, avec certains bonus, avec certains items en bonus, comme des chevaux. Enfin voilà. Donc c'est un très très bon jeu que je fais en partie en solo, et puis de temps en temps je rejoins des amis pour faire des quêtes à plusieurs. Voilà, qui des fois certaines quêtes peuvent être passées tout seul, et d'autres, bah non, on a quand même besoin d'un peu d'aide, parce que les mobs en face de vous sont quand même un peu costauds. Donc c'est un jeu qui peut se faire aussi bien en solo qu'en ligne, on n'est pas bloqué si jamais on n'a personne pour jouer avec soi, ça faut bien se le dire aussi. Bon, le jeu, bien sûr, il préconise, enfin je veux dire, il nous oblige à avoir... Une connexion internet, ça c'est obligatoire, hein, c'est parce qu'on peut pas y jouer sinon. Même au solo, on peut pas y jouer. S'il n'y a pas de connexion, non. Voilà, c'est un MMO, hein, donc forcément, on a besoin d'une connexion. Donc on adhère au truc ou pas. Moi finalement, bon, bah, j'aime beaucoup cette licence, donc j'y adhère totalement. Et j'aime beaucoup les Elder Scrolls.
Je me souviens des époques de Oblivion, ce qui était vraiment excellent. Et d'ailleurs, franchement, ils ont été très fidèles pour les fans. Franchement, tout le monde, je veux dire, tout le monde d'Oblivion, par exemple, je cite qu'Oblivion, hein, mais est vraiment bien retranscrit. Toutes ces maisons, comme elles étaient placées, etc. Les, voilà, c'est exactement les mêmes cartes. Y a, ils ont vraiment été fidèles, surtout. Voilà, donc on en a fini avec ça. Et donc, pour terminer, un petit chouïa de rétro. Donc là, c'est un jeu que je recherchais depuis des années. Androdunos sur Neo Geo. Donc là, il s'agit de la cartouche arcade MVS que j'ai récupérée en loose. Bah, surtout que ça fait quand même moins cher en loose. Non, puis le MVS est quand même relativement encore abordable, sauf pour quelques titres. Voilà, donc après pour les gens qui se mettent à la Neo Geo, bah écoutez, profitez de plutôt des MVS que de l'AVS. Voilà. Il y a quelques titres en AVS qui sont abordables. Alors que l'MVS, finalement, bah il y a énormément de titres, quoi. Voilà. Mais pas tous. Voilà, c'est voilà, il faut bien se le dire que si on s'amuse à faire un full set MVS, je peux vous dire que. Donc voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le MVS et l'AES, c'est exactement la même chose, quoi. Sauf que l'AES, c'était la version console de salon. Et le MVS, bah, c'était la cartouche qu'on mettait dans les bornes d'arcade, dans les salons de café, etc. Quand on était gosse. Hein? Voilà. Bon, bien sûr, il n'y a pas eu que ça. Hein, comme SN, il n'y a pas eu que SNK qui proposait des jeux arcade. Hein, on a eu aussi Capcom, etc. Donc, bref, c'est un shoot'em up. Un shoot'em up en scrolling vertical, je crois. Oh, bah, je m'en souviens plus parce que j'ai un autre shoot en tête. Et puis, du coup. Mais bon. Voilà, c'est juste pour vous montrer comme ça vite fait, c'est un jeu que je recherchais depuis très longtemps. Non, puis en plus, je ne le connais toujours pas. Donc, je suis vraiment très content de l'avoir parce que alors, la version AES, c'est même pas la peine hein, d'essayer de l'avoir. Hein, ça a des prix faramineux, quoi. C'est n'importe quoi. Donc là, bon, pas contre, là, le sticker, il a été refait. Mais bon, ça me dérange pas parce que. C'est le jeu original, les plaques, les PCB sont originales, donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ce qui m'apporte le plus en fait. Et voilà, ces cartouches-là, moi je les prends en loose. Après, je les protège bien quand je les range, mais je les prends en loose parce que bon, bah, les full kits, c'est un peu des boîtes carton, carton classique, enfin carton classique. Couleur du carton classique. Après, c'est des boîtes qui sont adaptées pour ranger les cartouches, avec toute sa documentation d'époque qu'on pouvait aussi pour mettre sur sa borne, etc. Bah, les full kits, c'est pas trop mon truc. Moi, je trouve que c'est pas beau, mais bon, après, chacun ses goûts. Donc, après, que j'ai ni la boîte ni la doc, ça m'est égal. Franchement, c'est égal. Mais bon, Androdunos, putain de titre, que j'ai vu tourner en vidéo, mais il y a longtemps, mais j'y ai pas joué encore. En tout cas, c'est un bon jeu, Neo Geo que je conseille fortement. Voilà. Donc après, voilà, bah, si vous avez vraiment, si vous voulez faire une idée rapide de ce shoot, bah, regardez une vidéo sur le net ou alors après, voilà, tout simplement. Mais je pense qu'un de ces quatre, mais pas tout de suite, hein. Mais je pense que courant de l'année, je ferai des petites sessions de gameplay rapides pour présenter brièvement des jeux comme ça sur Neo Geo. Donc je montrerai des jeux AES, puis je mettrai aussi mon converteur dans la console pour aussi jouer au MVS. Alors je vais montrer 2-3 trucs comme ça de temps en temps dans la rubrique Old School Game en vrac. Histoire de montrer un peu de rétro, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas montré. Et les dernières vidéos vraiment de rétro, c'était sur mon ancienne chaîne Dailymotion. Donc, regardez sur mon profil YouTube. Normalement, j'ai mis l'adresse de ma chaîne Dailymotion. Bah, qui est toujours active, oui et non, parce que je mets plus de vidéos dessus. Mais, enfin, je devrais. Mais bon, après, voilà. C'est vrai que
privilégie la chaîne YouTube, donc après il faudrait que je fasse un peu le... que je mette sur les deux, quoi. C'est vrai que ça. Faudrait que je le fasse. Et que je transfère les vidéos peut-être de l'ancienne chaîne. Bon, après. Mais bon, voilà. Eh ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis écoutez, bah, je vous embrasse tous. Amusez-vous bien. Je voulais vous dire qu'aussi, il y aura prochainement une vidéo unboxing d'un jeu que j'attends depuis très longtemps. Une version collector. Et allez, je le dis, c'est de The Last Guardian. Donc je vais. Enfin, je pense que je vais faire un unboxing. Ou alors, si jamais je n'en fais pas, ce sera uniquement pour présenter le jeu dans les derniers achats. Hein? Je vais voir. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que ce jeu-là, je vais le recevoir bientôt. Avec aussi Killing Floor 2 et aussi bah, le Hitman qu'on attend tous. Enfin, pour les fans de Hitman, bien sûr. Fan ou pas fan, hein, ça peut être juste d'infiltration. Si on aime ce genre de jeu, bah écoutez, le Hitman il sort le 31 janvier, mais bon, tout le monde le sait, pour ceux qui l'attendent. Donc voilà. Et je voulais juste vous dire aussi, pour ceux qui veulent acheter Last Guardian et qui n'ont pas encore de PS4, je vous conseille la PS4 Pro parce que Last Guardian est quand même plus optimisé sur la Pro. Pareil pour Hitman, il a été patché au mois de novembre dernier quand les épisodes du jeu sont sortis en dématérialisé. Donc, de toute façon, pour la version boîte, ce sera pareil hein, quand vous allez installer le jeu dans la console. De toute façon, il y aura le patch du mois de novembre. Peut-être pas sur le disque, mais bon, par le biais d'Internet, vous pourrez l'installer en même temps que le jeu. Donc, ça, c'est important parce que, enfin, moi, pour moi, en tout cas, je m'étais dit. Quitte à avoir la PS4, je m'étais dit, bah tiens, et Hitman qui sort, donc bon, voilà quoi. Hitman, je l'attends aussi de pied ferme et je voulais absolument la meilleure version, quoi. Donc j'ai pas de télé 4K comme on peut le voir, mais bon, en 1080p, ils ont quand même fait des efforts sur certains jeux avec la Pro, donc je trouve que ça vaut le coup. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé. Bonne journée.